Tu sais, ça me fait vraiment plaisir qu'on joue aux échecs ensemble. Et puis c'est super sympa à toi d'avoir accepté de m'aider. Parce que je comprends pas tout, mais j'ai vraiment envie de devenir bon. Tu sais, c'est pour aider Romain. Mais je dis pas qu'il a besoin d'aide pour apprendre à jouer aux échecs, ça. Non. J'ai juste envie que les parties soient plus à son niveau. Parce qu'il est doué. Il est rudement doué. Mais il joue que contre moi et... Bah, tu sais bien, je suis pas le joueur du siècle. Et c'est ça le truc! Il dit qu'il s'entraîne avec moi avant d'aller affronter des vrais joueurs, mais j'ai l'impression qu'il affronte jamais d'autres joueurs. Il dit qu'il vient tester des techniques sur moi, mais pourquoi est-ce qu'il les teste pas directement sur des joueurs de son niveau? Et je sais qu'il s'entraîne en ligne en plus! Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'il a peur de affronter des vrais gens? De les regarder dans les yeux s'il perd? Ou pire, de perdre son sang-froid? Comme quand il joue avec moi? Peut-être qu'il s'est ramolli en jouant avec moi? Peut-être qu'il a vu son propre niveau baisser parce que mon propre niveau est bas. Et c'est pour ça que c'est sympa que t'aies accepté de jouer avec moi. Ça me permet de m'améliorer, de lui faire la surprise de vrai challenge ensuite. Et puis comme ça, j'aurais pas à trouver des excuses foireuses pour mettre fin à ces longues sessions de jeu interminables. Là, ça sera une ou deux vraies parties d'échecs et... pas plus. Je vais lui redonner confiance en lui. Pour qu'il retourne affronter de vrais joueurs et qu'il relève de vrais défis. Et tout ça, c'est grâce à toi, Francis. T'as été un total soutien pour moi, et en retour, je vais pouvoir être un vrai soutien pour Romain. Et en plus, je t'ai mis en échec. Échec et mat, mon vieux Francis. On dirait que je m'améliore. Tu veux qu'on aille fêter ça quelque part ?